Bonjour, bonjour. Je me fais un peu violence ce matin. Je pouvais pas rater ça sur l'île des Pins. Il est 5h40 du matin. J'ai envie de voir le lever de soleil sur l'île des Pins à partir du plus haut sommet. Alors ce pic, il s'appelle le pic Enga. Altitude 262 mètres. Alors je suis sur l'île des Pins, en plein milieu du Pacifique. La montée commence. Aujourd'hui j'ai non pas du temps très serré parce que je dois aller à la plongée de l'autre côté de l'île à 7h30 du matin. Alors, faut que j'avance. Alors autre indication du matin, c'est que il fait pas chaud mais il fait lourd. Bon là on a commencé la période de l'hiver austral. On est bien. Température presque idéale. Mon Dieu, que j'ai de la chance. La frontale, il est à 6h13. J'y arrive là, 900 mètres. Il y a d'avoir une croix là-haut, comme au Pixalou. Messieurs, dames, bienvenue à l'île des Pins. L'île des Pins et le lever du soleil, ah génial! Il est là, le lever du soleil. Ça vaut le coup de savoir se lever, non? Là, c'est la baie que j'ai filmée hier au coucher du soleil. Le pique-nique, là, c'est fait. Maintenant, la suite de la journée qui s'annonce tout aussi majestueuse. Perdu dans l'eau.
dos, sur le dos. Ça a été ? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Le journaliste de l'extrême. Ouais, voilà, j'ai pas été extrême dans le truc. Si, ça va, tu sais, je t'ai lâché à la fin, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, l'île des Pins. C'est pas loin de la Nouvelle-Calédonie. C'est un passage vraiment obligé. Ce serait dommage de venir si loin sans faire ça, non? Il n'y a pas que la course à pied dans la vie. Au début, j'étais un peu stressé, puis finalement, ça s'est bien passé parce qu'on est vraiment bien entouré. Alors, les lieux, on a vu des trucs sèches, une belle rec, on est un peu embêté. Puis les fonds sont mignons. On peut jouer avec les anémones, des petits poissons clowns. C'est l'ancien bagne de l'île des Pins qui a reçu notamment 3000 communards après 1870, après la commune de Paris. On a amené les pauvres gars ici. Bonjour. J'avais une question. En prenant le chemin ici, est-ce que je peux rejoindre le pic? Oui. À quel endroit en fait? Oh, je vais tout droit? Tout droit, derrière le château. Derrière le château? Voilà, vous voyez. Et après, je tourne à droite. Ouais, mais j'ai une lampe frontale, donc... Ok, merci, vous dire, au revoir. D'accord, au revoir. On m'a dit de vite y aller, ouais, parce que... le soleil tombe vite. Ça me donne des frissons d'être ici. Vous imaginez, la commune de Paris, c'est quand même un mythe dans l'histoire de France. Louise Michel est venue ici, elle a passé 5-6 heures de Nouvelle-Calédonie. Alors je sais pas si c'est sur ce bagne ou si c'est le bagne de Nouméa, mais ces pauvres gars qui étaient envoyés, pauvres gars, ces pauvres femmes qui étaient envoyés à des milliers de kilomètres de Paris et en jour, à l'époque c'était en bateau. Voilà. 1874, 1875, je me suis pas trompé. J'ai peur d'avoir été un peu trop ambitieux, moi. Ah oui, je suis très très loin du pic. J'y arriverai jamais. C'est beau quand même. Là, il y a un pic là. Il y en a même deux. Là, il y a deux pics. Il y a l'ombre du pic que je viens de monter, et là-haut, il y a le pic Henninga. Avouez, ça aurait été bête de rater ça, non? Ah, ça peut-être le faire, hein, parce que tu vois le pic devant, il est juste à portée de main. Si je ralentis pas le rythme, je serai là-haut pour le coucher. J'en ai fait quelques-uns des chemins dans ma vie, mais je crois que celui-là, je le garde. Je le garde tout près du cœur, hein, parce que... Wow. C'est la course contre le soleil, contre le pic Ninga, le plus haut sommet de l'île aux Pins. 262 mètres, je crois. En tout cas, mon ombre est de plus en plus longue. C'est mauvais signe. Voilà un contre-jour que j'espère du plus bel effet. Allez. Je crois que ça va le faire. On voit la croix du pic là-haut. Yipia! Yes! Oh putain! Ne jamais abandonner, les amis, c'est la clé.
là-bas, si vous regardez tout au fond, en dessous des nuages, eh bien, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on voit bien le chemin que j'ai fait sur les crêtes, monté et descendu. Et puis voilà, je suis parti de là-bas au fond. Il est 17h15. La nuit, elle tombe à une vitesse incroyable ici. Il fait jour et bim, il fait nuit. Ici, c'est un isthme avec deux des plus belles plages de l'île, celle-ci et celle-ci. Quand je vous disais la nuit tombe vite, elle tombe vite. Bonsoir. Bon bah je donne ma place à personne d'autre. C'est sympa d'être dans un reporter et d'être invité sur l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie. Je suis très loin de penser à l'Ultra Trail, puisque le paysage ici est juste extraordinaire. Sur cette pirogue construite avec les pins de l'île des Pins. D'ailleurs l'île des Pins, je ne vous l'ai pas dit, mais a été découverte par le navigateur anglais James Cook en 1774, et ben lui, la première chose qu'il a vue ici, ben justement, ce sont tous ces pins qui sont vraiment caractéristiques. C'est un endroit paradisiaque, tranquille, avec pas mal de poissons, des tortues, des petits requins. Je vous le conseille, hein, franchement. Et entre deux petits trails, deux petits entraînements sur l'île, et ben c'est sympa de penser à autre chose.